De la musique maintenant avec vous, Ahmed Arikpa. Après, ce sera du sport avec Judikael Polycarpe-Aidinou. Du sport, je vous le souffle, hein, Ahmed Arikpa, je vous le souffle aussi, fidèles amis, auditeurs et amis téléspectateurs. Ce matin, il sera question d'un mini fer croisé. Oui, au chapitre sport. Carrément. Vous êtes invité. On verra bien. On verra bien. Et Bonjour. ce sera du 100% Russie 2018. Oui. De mieux en mieux. Oui. On rejoue On rejoue les différents matchs. la Coupe du Monde. Oui. Carrément. Ben bonjour, Alors, Loïs. la Bonjour, sélection Loïs. d'Éden, bonjour Bonjour Ahmed. à nos amis auditeurs et à nos téléspectateurs également. La sélection d'Éden en ce jeudi. Et je reçois pour vous, chers amis, un groupe. Ils sont deux, on les a surtout découverts, hein, aux côtés du slameur béninois Amak Beyon durant la deuxième saison de l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Je ne sais pas si ça vous parle là, Loris Fouedi Bien d'abord. sûr, Ça vous parle? avec Angélique Kidjo. Avec Angélique Kidjo. Évidemment, l'émission, après, quand je vous parle donc de ces deux-là qui ont accompagné Amak Beyon Pas sur très scène exactement, pas très lors donc exactement. de cette Non. émission, non. D'accord. Alors, ils ont une petite chaîne hein, sur YouTube via laquelle ils publient de temps à autre voilà, des vidéos. Ce que quelqu'un a d'ailleurs appelé ce matin, pas plus tard que ce matin, Ah clipon. oui. Pas addiction de petits clips. Il se reconnaîtra. Donc, de leurs chansons, pour la plupart en version acoustique. Ils sont donc le groupe Landry Plus, représenté sur ce plateau par l'un de ses membres. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ahmed. Bienvenue donc sur le plateau de Matin d'Éden, bienvenue dans la sélection d'Éden, le groupe Landry Plus, j'en parlais tout à l'heure, donc un groupe hein, que le grand public a découvert, Oui. surtout au détour de cette émission-là, l'Afrique a un incroyable talent. Landry Plus, comment est-ce que le groupe il est né déjà et à quoi doit-on ce nom Voilà, pour ce groupe? et le groupe est né à l'Institut français en 2015. D'accord. Et donc, on s'appelle tous de Landry Landry. Ah, d'accord. Lui, il s'appelle Landry Maïndé. Moi, je m'appelle Landry Padono. Et D'accord. pour ne pas dire Landry au carré, nous avons dit Oui. Landry plus Landry. Donc, on a abrévié ça sur Landry plus. Landry Plus. Donc, Voilà. deux Landry au sein Voilà. d'un même groupe Voilà. pour finalement donc donner Landry Plus Voilà. à ce groupe-là. C'est D'accord. ça. Un groupe donc né il y a, on va dire, 3 ans Trois ans, à peu près, ouais, donc à trois l'Institut ans. français du Bénin. Mais comment concrètement? Et d'habitude, Landry Maïndé, c'est-à-dire Landry Guitare, parce que Oui. lui joue à la guitare, moi je D'accord. joue à Et la toi? À clarinette la clarinette. et la flûte. Et D'accord. donc, d'habitude, Landry Maïndé, lui, répète à l'Institut français. Et ce jour-là, moi, je suis venu pour autre chose à l'Institut français. Et de loin, j'entendais la guitare et la voix. Et c'était mélancolique. Ça m'a poussé vers ce qu'il chantait, ce qu'il jouait. Et donc, par curiosité, je me suis rapproché vers lui. Je lui ai dit, et cher ami, ce que vous faites, c'est de très bon. Il vous a au fait appelé. Voilà, il m'a Voilà, dit, c'est un il vous appel a en pas fait. appelé par votre nom? Non, Non. il vous a C'est un appelé appel. autrement. C'est de Voilà, la musique en fait qui vous a touché. c'est en tout en rapprochant de lui que tous deux, on s'est rendu compte qu'on s'appelait les mêmes prénoms. D'accord, que Je vous lui ai dit, portiez je tous le m'appelle prénom Landry. Landry. Padoni l'a dit, non, C'est c'est pas pas possible, possible. c'est pas Que possible. lui-même s'appelle Landry. Et c'est comme ça, je lui ai montré ma carte avant qu'il ne D'accord, croie qu'il ne puisse vraiment que je m'appelle Landry le aussi. croire. Et en ce moment, il jouait un morceau que j'aime beaucoup, et ce Oui. morceau qu'on a déjà enregistré déjà D'accord. sur notre album. C'est Zin Zin, Oui Oui, oui, qui veut dire la marmite noire qu'on reçoit à la Casablanche. oui. C'est-à-dire, tu peux être riche, tu peux être issu d'une D'une famille famille pauvre et pauvre et devenir riche, être riche et comme devenir. l'inverse aussi Voilà. est possible. Voilà, l'inverse aussi est On n'en possible. parle pas souvent, mais c'est possible aussi. Voilà. D'accord, donc une rencontre qui s'est faite au détour finalement d'une séance de répétition Oui. pour Landry Landry Maïndé, Maïndé, oui. d'accord. Et quand cette rencontre elle s'est faite, tout de suite vous avez senti en fait qu'il On y peut avait faire, beaucoup oui. d'atomes crochus, c'est ça. Voilà, voilà. D'accord. Mais après? Mais après, on s'est perdu de vue. Oui. Et c'est par ce monsieur que vous avez évoqué tout à l'heure, Amak Oui, Beyon, qu'on oui. s'est encore reconnu. D'accord. Qu'on s'est encore, on a renoué encore les contacts, toi, Oui. parce que Amak Beyon devait donner un concert où il m'a dit, bon, j'ai besoin que tu
soit avec mon second guitariste. Je lui ai dit, mais quel est le guitariste? Il a dit, s'il vient, tu vas le voir. D'accord. Il m'a même pas dit le nom. Et c'est comme ça, ils sont venus chez moi à la maison. J'ai revu l'entrée. C'était en quelle année? C'était quand? C'était en 2016, si je ne me trompe pas. D'accord. C'était en 2016. Donc c'est comme avant, ça, ils sont venus. Avant l'Afrique Unique. Avant l'Afrique à un incroyable talent qui a eu lieu donc, l'année dernière. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça, ils sont venus. Ils sont venus. Et on a organisé le concert ensemble. Oui. Et on a donné le concert ensemble. Et j'ai dit à Landry, mais on devait normalement travailler ensemble. C'est à Cotonou. D'accord. Et j'ai dit à Landry, mais on devait normalement travailler ensemble. Mais si se pouvait qu'on ne s'est plus donné, on ne s'est plus vu. On s'est perdu de vue. Maintenant, il faut qu'on se donne la main pour qu'on y travaille vraiment. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé par travailler. Oui. On a, en 2016, même, on a fait le tour des collèges parce qu'on a des morceaux qu'on prend pour conscientiser nos jeunes frères à travers la musique. À travers la musique. La musique qu'ils aiment tant, mais nous, on met des paroles éducatives d'accord. pour pouvoir les éduquer encore plus. Et donc, c'est comme ça. Sensibiliser. Est-ce que je suis dans le vrai quand je dis que l'une des particularités du groupe Landry Plus, c'est l'acoustique, c'est de la musique acoustique? Oui, c'est la musique acoustique parce que d'abord, c'est la guitare. La guitare acoustique et la clarinette et la flûte. En plus, il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus autre chose. Voilà. Et l'autre particularité finalement de ce groupe, c'est aussi ces petites vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube du groupe. Je pense que depuis le début de cet entretien, le réalisateur, Sabin Chaudaton, donc, qui nous gratifie de quelques séquences. C'était à Savalou. C'était à Savalou. C'est à Savalou, oui. Savalou. Non, pas ça, excusez-moi, c'était à Paubert, je ne me trompe pas. À Paubert, d'accord. Ouais. Mais comment elle se réalise justement ce genre de vidéo? Comment vous les faites? Est-ce que vous levez un jour et puis vous vous installez quelque part pour non, ça Non, cette vidéo, c'était un ami français qui nous a dit, mais ce que vous faites, on ne vous connaît pas. Oui. Mais il faut faire des petites vidéos et mettre ça sur YouTube. Les gens pourraient aller voir ce qui se passe avec vous. Et donc, c'est comme ça, il a pris son portable, il a filmé. Mis ça sur YouTube. C'est lui qui nous a fait ça. D'accord. Et ça, là, c'est le morceau Sokwito. Le morceau Sokwito, quand ce n'est même pas encore enregistré au studio. Enregistré au studio, parce qu'entre-temps, ça a été fait déjà. Voilà. D'accord, je propose qu'on suive maintenant une autre vidéo, d'accord, ou un autre clipon. Il comprendra, il se reconnaîtra, celui qui a dit ça ce matin. D'accord. Donc, une autre vidéo du groupe Landry Plus. Oui. Je pense que la vidéo, on l'a déjà suivie d'ailleurs sur ce plateau. C'était à l'occasion de la fête des mères ou la fête des pères. Je la proposais justement donc par ici, parce que je trouvais qu'il y avait quand même... une sorte de lien avec le morceau, c'est Afinimi du groupe Landry Plus. Yemado wede nando menjito mejino engi gbe akoyonu mi weyi gbe mekuna ve usoleo. Mando wede mejito mejino ngi gbe akoyonu ye weyi ye kuna jo wedo se ai ndopore na biami eyi mi fonson son chon mi na zia foro come yo mi veno jode se do mi lo. Pour ce domingue dans mes jours, mais meni on ou misé aïe. Oh maman, eloé, a fili mi widi e bouno. Veno koude se domingue dans mes jours, piano e mi no eton. Mana kondo moro, bon enseigne mi to rokoe. En e genzo mi fombro e sonudo. Emeni yonu mi do fi wano reto fi wano reno fi wano reto fi wano reno bame ma yonu mi onewe krona mi bole o fi wano reto fi wano reno fi wano reto fi wano reno.
Rafaelo la fili mi wede buno veno khore sedo mi do me ju pe meni yonu mi si hai o mama lo e la fili mi wede buno veno khore sedo mi do me ju pe ato ko me mi to fier to o dade mi la khore nuwe u mi magbe Et là, je pense que ça peut s'inviter autour d'une piscine, oui. Avec un peu de lumière tamisée, oui. Pour des galas, oui. Pour des manifs un peu classe, oui. Select, oui. Oui, pas pour enfants, hein. Je suis tout à fait d'accord. Pas pour des manifs pour enfants. Pas pour les fofos. D'une certaine forme. Pas pour les fofos. Oui, c'est vrai, c'est assez soft, assez digeste, assez profond finalement. Et je le disais donc, une vidéo qu'on a proposée dans le cadre, je pense, de la célébration de la fête des pères ou la fête des mères par ici, sur ce plateau, parce que je trouvais justement qu'il y avait un lien quand même. Mmh. Explique-moi un peu ce qui se dit concrètement dans ce morceau et après, ben, dans quelles conditions est-ce qu'elle a été réalisée? Surtout que là, on ne voit que Landry Maïdé et pas les deux Landry. Et cette vidéo, il faut avouer que... Ils l'ont fait. En ce moment, j'étais en Suisse. D'accord. Donc, j'étais pas au pays. Donc, c'est le monsieur en question qui l'a fait. Le monsieur le blanc. D'accord. Il s'appelle comment? Il s'appelle Christian Pascolt. Christian Pascolt. Oui, Christian Pascolt qui nous apprécie beaucoup et qui nous accompagne aussi beaucoup, je le dis franchement. Et Aflimi en question, c'est un morceau qui demande la bénédiction des parents. Des parents. Le tout ne suffit pas comment je vais dire, il y a la prière qui doit accompagner les enfants. D'accord. Il faut les accompagner en prière parce que après c'est l'enfant qui va s'occuper de ses parents. Bien donc sûr. C'est ce qu'il dit au vieux non rien tort vieux non rien. Et il faut vraiment prier, c'est la bénédiction. Donc demander aussi finalement aux parents de nous bénir. De nous bénir, voilà. Parce que quand un parent dit oui, ça arrive de te suivre pour toute la vie. Donc tout faire pour être dans les bonnes grâces en fait, des parents et à chaque fois leur demander leur bénédiction pour que cela puisse nous accompagner dans notre quotidien. Et quand papa, tu te souviens de moi, n'importe quel moment, il faut prier pour moi. Envoie une prière, voilà. Quand tu te lèves sur ton lit, il faut prier pour moi. Pour moi. Maman, il faut prier pour moi. D'accord. C'est le morceau à fond, c'est ce que ça dit. Quand on sait que la prière des parents, surtout des mamans, oui. Elle est aussi puissante que les rosaires adressés à tel ou tel saint pour dénouer telle ou telle prière. Surtout quand votre maman, du fond de son cœur, même qu'elle soit même hors du Bénin, oui, se lève un beau matin et pense à vous. Et pense à votre réussite. Adresse, voilà, c'est plus efficace que tout. Bien sûr. Ça, je l'avoue. Et quand, qu'elle vous l'esprit ou non, ouais. Qu'elle vous l'esprit ou non, quand elle pense intimement que son petit Arikba qu'elle a vu jouer il y a tel nombre d'années, se doit de réussir.
Peut-on seulement savoir à quoi doit-on cet exemple-là en particulier? On lui posera la question tout à l'heure. Alors, je rappelle qu'on a avec nous sur le plateau, chers amis, pour peut-être vous qui venez de nous rejoindre en ce moment, c'est le groupe Landré Plus. Et pourquoi Landré Plus? Parce qu'ils sont deux dans le groupe et que les deux portent justement le prénom Landré. Ils n'ont pas trouvé mieux que donc de donner le prénom Landré, Landré au groupe, oui, et d'ajouter le petit plus. Le plus, hein. La vidéo justement qu'on suivait hein, tout à l'heure donc à Flimi, oui, elle a été tournée ou enregistrée où? Et devant la maison des Blancs en question. D'accord. Oui. Là où ils avaient loué. Christian, ouais. Pascal, ouais. C'est bien oui, ça. Oui, Christian Pascal. D'accord. La participation à l'Afrique a un incroyable talent aux côtés de Amandouillon, oui. Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé. Qu'est-ce que vous avez retenu justement de cette expérience? Ce fut une très belle expérience parce que j'étais à la maison comme ça un dimanche et Amandouillon, oui, m'appelle et dit qu'il doit participer à un concours, oui, de l'Afrique a un incroyable talent. Oui. Et je lui ai dit, bon, moi ça ne me gêne pas. Connaissez la compétition? Il faut appeler Landré. S'il donne son accord, on viendra à deux, on va t'accompagner. Et il a eu une présélection avant d'être sélectionné. Donc il a été sélectionné et comme ça on nous a envoyé les billets d'avion. Les billets d'avion. On était en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ça c'est pas, nous n'étions pas en demi-finale, mais il a quand même eu les trois oui des membres du jury qui ont aimé sa prestation. Donc voilà, c'est comme ça. Et en plus, ça fait vraiment très 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 bien d'être entouré, oui, de plusieurs talentueux. Bien et sûr. De partager encore des expériences. Des expériences, oui, apprendre, oui, de nouvelles apprendre choses. Apprendre de nouvelles choses. Voilà, en donner aussi aux autres. Voilà, et nouer également d'autres des contacts, des liens qui pourraient te permettre aussi, quand tu seras aussi de nouveau dans le pays, pas, oui, dans le cadre de l'Afrique, un incroyable talent, tu pouvais faire des choses. Bien sûr, bien donc sûr. Voilà. Et que de pouvoir rencontrer aussi, pourquoi pas, quand même, la grande Angélique. Voilà. Et bénéficier de ses conseils. Et le jour-là même, nous, on a eu la chance et il a fallu Poupa qui a, oui, pris cette guitare. D'accord. Et qui a joué et qui nous a accompagnés. Ah ben super. Donc voilà. Faudra penser à la mettre aux enchères prochainement. Ça va, la guitare jouée par Fali Poupa. Elle m'a rabillé le saut. Fali Poupis, comme le dirait l'autre. Ouais. Merci franchement d'être passé nous voir merci sur le plateau de Matin d'Éden. Un mot à ajouter, quels sont les projets immédiats du groupe? Voilà, il y a, après les cinq singles qu'on a déjà lancés, oui, il y a l'album de 12 titres. D'accord. Qui est déjà prêt. D'accord. Mais nous avons vraiment besoin de l'accompagnement pour voir les... C'est déjà prêt, nous avons déjà fait le travail, le maximum de travail tout au studio. Tout en acoustique, c'est ça? Oui, tout en acoustique, c'est d'accord, au studio. Mais il faut vraiment des moyens pour pouvoir peut-être la promotion, tout ça. D'accord. Donc, il y a un clip aussi, le clip de Sokoto qui est en promotion, qui a été réalisé. D'accord. Il y a un concert à Porte Nouveau qui est en train d'être organisé. D'accord. Mais ce qui nous importe beaucoup, c'est comment faire le lancement de l'album. D'accord, l'album. C'est prévu pour quand ou c'est pas encore vraiment décidé? Bon, normalement, nous sommes en train de prévoir ça pour les vacances. D'accord. Pour pouvoir... on va laisser un contact pour finir. Peut-être c'est le, justement ceux qui aimeraient aider. C'est le 96 69 49 49. On répète. Soit 96 69 49 49. Merci d'être passé donc nous voir. Je vous dis bonne chance. Merci. Faites merci ce que vous aimez. Merci. Continuez à le faire. Continuez à le faire autant. Allez, pour ceux qui nous suivent en ce moment à la radio, un petit bonus pour vous. On les reçoit aussi tout à l'heure sur la Musical Info. Ah oui. Et on aura donc la possibilité d'assister justement à des séances live en studio, voilà, ou en tout cas semi-live donc en studio avec eux. Le groupe au complet évidemment, l'autre Landré aussi, qui sera donc des nôtres. Amusez-vous. Et on s'amusera donc ensemble sur la 102.3 à partir de 11h sur Diaspora FM, la Musical Info. Le monde est à vous. Merci beaucoup. Oui. Et merci comme, Ahmed. Et comme l'a dit Ahmed, c'est moi. Faites ce que vous aimez faire. Continuez. Continuez à le faire.